Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu sais qu'on est en plein mois de juillet, on est en plein été, et durant l'été il y a des produits naturels que l'on ne doit surtout pas laisser de côté au risque de passer à côté de nombreux bienfaits pour ta peau et pour tes cheveux. Alors dans cette vidéo, j'ai sélectionné 6 produits naturels indispensables, incontournables à utiliser tout au long de l'été. Juste avant de t'en parler, je te rappelle que ma promotion, mais moins 25% des réductions que j'ai ouvert cette semaine sur ma formation Bien choisir ses cosmétiques naturels en 2020 expire ce soir à 23h59. Donc si tu souhaites mieux choisir tes cosmétiques naturels, si tu souhaites économiser de l'argent, si tu souhaites éviter de tomber dans les pièges du greenwashing, si tu souhaites avoir une routine de soins qui soit totalement adaptée à ton type de peau et à ton état de peau, et si de manière globale tu souhaites devenir un consommateur responsable, aller vers des marques éthiques, aller en rentrer dans cette démarche également d'un consommateur qui prend soin justement, enfin qui a conscience de l'environnement, c'est ce que je te propose dans cette formation, de mieux choisir tes cosmétiques pour passer à une routine de soins naturelle, pour économiser de l'argent et pour acheter tout simplement de manière éthique. Donc je te rappelle que la promotion expire ce soir à 23h59. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir le programme complet de cette formation dans la description de cette vidéo, et tu peux également activer ton coupon avant ce soir, puisque ce soir tout sera retiré. Alors on commence tout simplement ce top 6 des produits indispensables de l'été avec le fameux gel d'aloe vera en numéro 1, en produit numéro 1. Le gel d'aloe vera, il est, alors là c'est une lotion, je suis pas chez moi, j'ai pas tous mes produits. En général, j'utilise un gel d'aloe vera à 99% d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est un produit multi-usage qui est très intéressant, puisque tu peux l'utiliser en été pour tout ce qui est coupure, tout ce qui est brûlure, coup de soleil, piqûre de moustique. Ça coupe le sang aussi. Donc si tu es à la plage, en randonnée, etc., et que tu tombes, que tu, voilà, que tu saignes, que tu te fais une plaie, une petite plaie, pas une grosse plaie, tu peux ajouter un petit peu de gel d'aloe vera si tu n'as pas de pansement sur toi, et ça va couper le sang. Tu peux aussi l'utiliser après la douche, sur tes cheveux par exemple, sur cheveux humides. C'est un excellent hydratant que tu peux utiliser d'ailleurs également sur la peau. Hein. Tu peux mélanger un petit peu d'aloe vera avec une huile végétale et tu peux appliquer ça sur les zones de la peau que tu as envie d'hydrater. Et tu peux le faire aussi sur les cheveux. Tu peux appliquer, alors pas d'huile, hein, tu mets pas d'huile sur tes cheveux, tu mets juste un petit peu d'aloe vera que tu vas appliquer sur les pointes et ça permet d'hydrater les cheveux. Tu peux aussi le faire sur les racines, mais je te conseille de le faire sur cheveux humides. Une chose à savoir et qu'on ne te dit pas sur le gel d'aloe vera, c'est qu'il peut s'avérer être photosensibilisant. Je te rappelle que tous les produits photosensibilisants, mais il faut éviter justement après application d'aller s'exposer au soleil ou même de sortir directement et d'être exposé au soleil. Donc en gros, quand tu appliques du gel d'aloe vera, évite dans les 4 heures qui suivent son application de t'exposer au soleil. Ça t'évitera d'avoir des taches, tout simplement de dépigmenter ou d'avoir des taches qui vont rester sur la peau et que tu ne pourras pas faire disparaître. Donc rappelle-toi que le gel d'aloe vera fait partie de ces produits qui sont photosensibilisants. Le deuxième produit indispensable à avoir et à utiliser cet été, il s'agit de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est encore une fois un produit multi-usage. Tu peux l'utiliser pour te démaquiller, par exemple. Tu peux l'utiliser pour protéger tes cheveux du soleil, si tu vas à la plage, etc. Tu peux aussi l'utiliser pour nourrir ta peau. Tu peux l'utiliser également pour en faire un déodorant maison. Alors bien sûr qu'il y a plein de recettes différentes de déodorant maison, mais je vais t'en partager une dans cette vidéo. Donc je t'invite à rester sur cette vidéo pour que je te partage cette recette. Et tu peux aussi l'utiliser, alors l'été, on peut utiliser l'huile de coco en rentrant par exemple de la plage le soir ou lorsque tu as passé une journée où tu as largement été exposé au soleil. Ça va venir nourrir la peau en profondeur, notamment si tu as une peau qui a tendance à être sèche assez facilement. En revanche, l'huile de coco ne va pas réhydrater la peau puisque c'est de l'huile, donc ça n'hydrate pas. Tu peux aussi l'utiliser sur ta peau pour prolonger le bronzage. Donc si tu reviens de la plage par exemple, n'hésite pas à en mettre également un petit peu. Ça va te permettre tout simplement de prolonger ton bronzage un peu plus longtemps, ce qui est également intéressant. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu serais intéressé par des contenus concernant le bronzage, comment conserver un bronzage plus longtemps, comment avoir un bronzage naturel tout l'été, comment, voilà,
tout ce qui est relié au bronzage et au teint durant l'été. Si tu as envie d'avoir des recettes, des soins, si tu as envie d'avoir des conseils pour justement avoir un beau bronzage au naturel cet été, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment puisque je pense à faire des vidéos, mais je ne sais pas trop si ça vaut le coup ou pas, donc n'hésite pas à me donner ta validation si ça t'intéresse. Et pour terminer avec l'huile de coco, sache qu'on peut aussi l'utiliser sur les cheveux, tu peux en mettre un petit peu sur les pointes, ce qui va apporter un petit peu de brillance durant l'été, notamment si tu vas après au soleil, etc. Ça va permettre d'éclaircir un petit peu aussi la couleur. Donc ça peut être intéressant, mais fais attention de ne pas en mettre trop, puisque l'huile de coco, que ça soit sur la peau ou sur les cheveux, c'est quand même une huile qui est assez lourde, assez riche, et qui peut donc laisser un film gras sur la peau et sur les cheveux. Le troisième produit que je te conseille d'utiliser durant l'été, il s'agit de l'hydrolat de menthe poivrée. Alors déjà, en temps normal, c'est que ça soit l'huile essentielle ou l'hydrolat, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est fatigue nerveuse, pour tout ce qui est migraine, pour tout ce qui est trouble digestif, donc pour améliorer la digestion. Mais il est vraiment incroyable durant l'été puisqu'il a encore beaucoup plus d'utilisation et de bienfaits. Tu peux par exemple, alors là on va notamment parler de l'hydrolat que tu vas utiliser en spray. Donc je te conseille tout simplement d'acheter de l'hydrolat de menthe poivrée en spray et tu pourras du coup utiliser les utilisations que je vais te partager ici. Donc la première utilisation, c'est que tu peux l'utiliser pour te rafraîchir, pour rafraîchir le corps. Ça va à la fois permettre de rafraîchir le corps et aussi de lutter contre la transpiration excessive. Tu peux aussi l'utiliser pour tout ce qui est encore une fois brûlure, coup de soleil, piqûre, puisque l'hydrolat de menthe poivrée a des propriétés antalgiques, donc il est également intéressant dans ce sens. On peut aussi l'utiliser pour apaiser les sensations de jambes lourdes lorsque tu reviens d'une grande balade, lorsque tu as cette sensation qui est due à de fortes chaleurs. N'hésite pas à vaporiser un petit peu d'hydrolat de menthe poivrée sur les jambes, ça va te permettre d'activer la circulation sanguine et donc d'apaiser cette sensation. Tu peux aussi l'utiliser en déodorant, et là encore une fois je tiens à ce que tu restes attentif, je vais te partager juste après une recette de déodorant. Donc on peut également l'utiliser en déodorant, et on peut aussi l'utiliser pour encore une fois raviver le teint et prolonger le bronzage. Ça va permettre justement, vu que la menthe poivrée permet d'activer la circulation sanguine, forcément que ça va permettre d'avoir ça va permettre d'activer tout simplement le bronzage, de le renforcer, donc c'est aussi intéressant pour ça. Donc n'hésite pas à t'en procurer, ça ne coûte pas très très cher, et tu vois que tu peux vraiment, c'est vraiment un produit à avoir dans son sac lorsque tu vas à la plage, lorsque tu passes des journées longuement exposées au soleil et à la chaleur. L'été, on transpire davantage et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver un déodorant qui soit adapté, qui nous permette d'éviter justement de trop transpirer et qui permette aussi de limiter un maximum les odeurs de transpiration. Donc je vais te partager une recette de déodorant 100% naturel et super simple à réaliser, donc une recette de do it yourself. Alors au niveau des ingrédients, il te faut 100 g d'huile végétale de coco, dont on parlait justement tout à l'heure. Il te faut 60 g de bicarbonate ou d'argile blanche si tu as une peau sensible. Moi je sais que je ne supporte pas le bicarbonate sous les aisselles, donc j'utilise plutôt l'argile blanche puisque le bicarbonate peut donner un petit peu des rougeurs. Il te faut ensuite 40 g de fécule, donc soit de fécule ou soit de poudre d'arrowroot. Et ensuite, il te faut également 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Sache que tu peux aussi utiliser 10 g de cire végétale si tu souhaites que ton déodorant soit un peu plus solide, si tu souhaites faire un déodorant solide. Parce que là, sache que le déodorant, il va être un petit peu liquide, il faudra l'appliquer avec les mains. Bien qu'on va le mettre au frigo, tu vas voir, pour qu'il se solidifie un petit peu, mais ça va pas être un déodorant solide. Au niveau de la préparation, c'est très très simple. Je te conseille de prendre un petit pot en verre propre et stérilisé, bien entendu. Tu verses d'abord l'huile végétale de coco fondue. Ensuite, tu vas ajouter cuillère par cuillère le bicarbonate ou l'argile et la fécule, et ensuite tu vas ajouter l'huile essentielle, enfin tu mélanges bien entendu. Si tu as besoin d'ajouter de la cire d'abeille ou de cire végétale, comme tu veux, je te conseille plutôt la cire végétale. Tu le fais après avoir ajouté le bicarbonate et la fécule, et ensuite tu vas rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa qui permet justement de lutter contre les mauvaises odeurs, donc qui va être intéressante pour ça. Et ensuite tu mélanges le tout, tu places ton déodorant quelques heures au réfrigérateur. Moi je te conseille de le placer une nuit au réfrigérateur, comme ça tu seras tranquille, et ensuite tu peux utiliser ton déodorant à l'aide des mains directement, que tu vas appliquer sous les aisselles avec tes doigts. Ce que je te conseille de faire, c'est bien entendu de garder aussi ton déodorant au réfrigérateur, au frigo, puisque c'est comme ça qu'il se conservera, sinon bien entendu il va s'abîmer et se périmer au bout de quelques heures. Cinquième produit indispensable à avoir cet été, à utiliser cet été, il s'agit de l'urucum. Alors l'urucum, c'est un petit arbuste originaire d'Amérique du Sud. On va le retrouver notamment en Bolivie, au Brésil, dans ce genre de pays, je pense que tu situes un petit peu. Et l'avantage de l'urucum, c'est qu'il est très 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 riche en bêta-carotène. Et tu sais qu'on utilise souvent, déjà on conseille aux personnes avant l'été de consommer beaucoup d'aliments en bêta-carotène pour préparer sa peau au soleil. Et on peut aussi prendre des compléments justement qui contiennent beaucoup de bêta-carotène. Et là l'avantage de l'urucum, c'est qu'il contient entre 100 et 500 fois plus
de bêta-carotène que la carotte, qui est déjà un des aliments qui en contient le plus. C'est pour te dire à quel point cet aliment est très intéressant. Et c'est un aliment qui contient également beaucoup de provitamine A, beaucoup de sélénium, beaucoup de magnésium et aussi beaucoup d'oligo-éléments comme par exemple le cuivre, le zinc, le magnésium aussi dont je viens de parler. Et tous ces oligo-éléments-là sont très intéressants pour les problèmes de peau et notamment pour l'acné. Donc déjà, si tu as envie d'avoir un beau bronzage et si tu as envie en plus de lutter contre l'acné, puisque je sais que vous êtes nombreux à souffrir de ça, bah le rucum est très intéressant. Alors à lui seul, il ne va pas forcément faire disparaître l'acné. Et d'ailleurs, si tu souhaites justement faire disparaître ton acné de manière 100% naturelle, en allant directement chercher à la source le problème et en agissant de manière naturelle sur la source du problème, c'est ce que je te propose dans une formation, une méthode complète que je te partage et qui te permet de te débarrasser de ton acné en seulement 30 jours, peu importe si tu as de l'acné hormonal, de l'acné atopique, peu importe en fait ton type d'acné, puisque ça on voit dans le module 1 bah justement comment identifier ton type d'acné et comment agir dessus. Et cette méthode, c'est une méthode 100% naturelle, aucun effet secondaire, et l'idée c'est qu'on aille éradiquer ton acné, même si tu en souffres depuis plusieurs années, en seulement 30 jours. Il y a déjà plus de 50 élèves qui ont suivi cette formation en l'espace de 2 mois, donc si tu as envie de la rejoindre également, elle a un prix vraiment abordable pour le prix d'une consultation chez un spécialiste qui parfois t'apporte aucune solution. Moi je te conseille une méthode qui fonctionne, qui a fonctionné sur de nombreuses personnes, et tu peux directement aller voir ça dans la description de cette vidéo. Tu as le descriptif de toutes mes formations, y compris celle-ci, une vie sans acné, donc cette formation pour éradiquer ton acné naturellement et en 30 jours. Alors le rucum, il est intéressant puisque justement il contient beaucoup de bêta-carotène. Il va donc permettre en fait d'activer la mélanine qui va donc permettre tout simplement d'activer le bronzage. En plus de justement d'agir sur le bronzage, il va permettre aussi de protéger la peau, de diminuer sa sensibilité et aussi d'aider à l'hydratation. Donc concrètement le rucum, alors souvent on va le consommer sous forme de gélules, on peut aussi le consommer sous forme de poudre ou parfois de petits je sais pas comment on appelle ça, mais de compléments alimentaires que l'on va croquer en fait. Et ça on l'utilise pour deux raisons, soit pour justement préparer sa peau au soleil et activer le bronzage de manière naturelle et douce pour éviter de prendre des coups de soleil directement lors d'une grosse exposition. Et ça va permettre aussi d'avoir un meilleur teint, un bronzage naturel pour les personnes qui ne s'exposent pas au soleil, qui ne vont pas trop au soleil durant l'été. C'est un peu mon cas, bon là je suis pas encore parti en vacances donc j'espère que ça va s'améliorer. Mais pour les personnes justement qui s'exposent, qui ont une peau claire, qui veulent pas trop s'exposer, ça permet quand même d'avoir un léger teint assez naturel, un peu bronzé sans pour autant devoir passer des heures au soleil. Le 6e produit naturel à intégrer dans ta trousse de toilette cet été, il s'agit de l'huile essentielle de lavande officinale ou lavande fine. Ce sont les deux lavandes qui vont vraiment agir sur différentes choses. Alors la lavande, elle est intéressante puisque déjà tu peux l'utiliser en temps normal, tu sais, pour tout ce qui est troubles anxieux, troubles du sommeil, etc. puisqu'elle a des propriétés apaisantes et anxiolytiques, enfin relaxantes et anxiolytiques du moins. Elle est aussi intéressante en été, tout comme le gel d'aloe vera par exemple, puisqu'elle a aussi des propriétés calmantes et cicatrisantes. Donc sur tout ce qui est piqûres, coups de soleil, brûlures, etc. Elle est aussi intéressante. Alors si c'est sur des petites zones, tu peux l'utiliser pur, hein, en général une à deux gouttes, pas plus. Si c'est sur des zones plus étendues ou si tu as une peau qui est vraiment très sensible, je te conseille de la diluer à 10%, donc à 10% dans un macérat huileux ou dans une huile végétale de ton choix. Et la dernière utilisation qu'on peut également faire avec la lavande fine, c'est qu'elle a également des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et également anesthésiques. Donc bien entendu, on va l'utiliser pour tout ce qui est douleur musculaire, tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est migraine. Donc si tu veux, l'été, on fait plus de sport, on est plus en extérieur, on se bouge davantage, en principe. Donc si tu as des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, etc., n'hésite pas aussi à profiter des propriétés de la lavande fine. Dis-moi ce que tu penses de cette fameuse sélection de produits naturels indispensables de l'été dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je t'invite aussi à laisser ton pouce bleu juste en bas. Abonne-toi également à la chaîne, il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne au mois de septembre. Alors, je vais continuer à parler de produits naturels et à parler également d'alimentation, mais il y a une autre grosse thématique que je vais aborder qui est en lien avec mon expérience, avec ce que j'ai traversé. Donc peut-être que ça te donne déjà quelques indications. Et je te rappelle aussi qu'il te reste jusqu'à ce soir à 23h59 pour activer tes 25% de réduction sur ma formation « Bien choisir ses cosmétiques naturels en 2020 » pour économiser de l'argent, éviter le greenwashing et savoir exactement ce que tu appliques sur ta peau et donc te créer une routine de soins naturelle et adaptée à tes besoins. Je t'invite à aller voir le programme de cette formation dans la description, active ton coupon avant qu'il ne soit trop tard et profite de cet été pour te former puisque moi je vais aussi bientôt partir en vacances. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, n'oublie pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et comme d'habitude, reste vert.